Le SIGDA, Centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne, est l'organisme de formation de tous les contrôleurs de l'armée de l'air. En début de formation, tous les élèves suivent un tronc commun alternant théorie et pratique. Ils s'orientent ensuite vers l'une des deux spécialités de la filière, le contrôle de la circulation aérienne ou celui des opérations aériennes. Je m'appelle Philippe, j'ai 19 ans et je suis en formation de contrôleur de la circulation aérienne. Je suis comme dans une vraie tour de contrôle, responsable du départ et de l'arrivée des aéronefs. Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je suis en formation contrôleur des opérations aériennes. Avec ce simulateur, je suis formée pour le contrôle des aéronefs militaires lors des phases de navigation et d'entraînement au combat. Un bon niveau d'anglais, le goût des responsabilités et un véritable intérêt pour l'environnement aéronautique sont des prérequis indispensables pour réussir dans ce métier. Chaque année, l'école forme plus de 400 stagiaires dans un environnement interarmé et international.